Bonjour Pierre, comment ça va? Et coucou Mister Shadow, comment vas-tu? Tu seras quoi, Mister Shadow? J'ai pas lu ce que tu as écrit. Mais pas le petit pouce bleu ce soir, on est du Batman alors. Ça va et toi, ouais? T'as pas trop mal?
Bon, bah, demain, c'est confirmé. Je pense que je serai niveau 200 sur Fortnite. Ah, oui, ça va, Mr. Shadow. Bon, ça, on se retrouve pour du Batman, les gars. J'espère que ça vous plaira. D'accord, ok. Il me fait n'importe quoi. J'ai plus mes. Ah, ils sont là. Ok, ce soir, il y a la commande secrète à trouver aussi, les amis. Ce soir, je vous donnerai des indices au fil de l'aventure pour trouver la commande secrète. Ah, c'est le retour de la commande secrète et le retour un peu des let's play, des lives, les amis. Pourtant, ça fait quelques jours que je ne live pas, mais bon. Je sais pas si je vous ai manqué. Voilà, ok, let's go. On s'en fout. Gotham City. Essaye encore, mon petit. Non, là, je me trompe. Hop. Wesh. Commence déjà, wesh. Non, je te mets pas les points, j'ai pas envie. Soit les retours des commandes secrètes, les amis. Alors, attendez, je finis juste ça. Après, je te mets tes points, Mister Ombre. Même Monsieur Ombre. Des fois, même Mister Shadow, des fois, même Monsieur Ombre. Soit les retours de la commande secrète à trouver. Ah oui, car c'est bientôt la fin. Eh oui, c'est bientôt la fin, les gars. Hey, vous aurez peut-être beaucoup de points. Bon, après, c'est un peu ma faute, hein. J'ai plus live. J'ai plus live depuis un petit moment, mais bon, voilà. Ce soir, on reprend tout doucement. Coucou, Ondine, comment vas-tu? Merci pour ton pouce bleu. Alors, hop. Coucou, Nero, comment vas-tu? Et bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve sur du Batman, les gars. Merci pour le live partagé. C'est gentil les gars, n'hésitez pas à partager le live, à mettre le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaise les gars. Ça fait plaise. N'oubliez pas pour le petit soutien, le petit BR devant votre pseudo ou derrière les amis, ça fait toujours plaisir là aussi. Je finis ça et je suis à vous, hein. Désolé pour le petit retard. Ça raconte quoi de beau sur le chat? C'est honteux, Brasier. Eh ouais, je sais. Eh, c'est honteux. J'avais vu la très nette baisse d'activité sur la chaîne. J'ai dit, bon. Je voyais quand même que le nombre de vues était en baisse sur tout, sur les lives, les let's play et tout. Donc ça m'a un peu. Ça m'a fait que j'ai fait un petit peu moins de live parce que je voyais que ça marchait pas trop. Vous étiez plus fidèles sur les vidéos, donc j'ai sorti quand même pas mal de vidéos, hein. N'hésitez pas à voir les dernières vidéos, d'ailleurs il y a le lien qui va apparaître incessamment sur peu. Je finis juste ça et je suis à vous de suite et on va lancer le jeu. Ce soir, c'est du Batman. C'est le retour de votre super-héros. Demain, il y aura du Spider-Man 2. Donc, on va se relancer un peu sur les super-héros. Hein. Espérons que ça vous plaise. Et ce soir, comme d'habitude, il y a commande secrète à trouver. Après, je vous donnerai les indices. Bon, évidemment, le premier indice, vous le savez, c'est le jeu, tout simplement. C'est l'indice le plus simple. Je reviens tout à l'heure. Ok, Nero, pas de soucis. Bah après, je suis en live jusqu'à 8h, donc voilà. Si tu reviens entre les deux, c'est parfait. Comment dire que c'est parfait? C'est parfait. T'aimes bien Spider-Man, donc ça va, ok. Et Batman, est-ce que tu vas l'aimer, Batman? Ouais, demain c'est du Spider-Man 2. Je continue l'aventure. Ça fait longtemps que j'ai laissé tomber l'aventure, mais demain on continue l'aventure.
Gage serait revenu. Ça marche, Nero. Ça marche, ça marche. J'aime les Marvel. Ah, alors c'est cool. C'est cool si tu aimes les Marvel. Et bien après, j'ai même Avenger aussi. Peut-être que je reprendrai aussi Avenger, l'histoire d'Avenger. C'était pas mal, hein. Mais bon. DC Undone, pas Marvel et salut. Oui, ben c'est pareil, DC Comics et Marvel, c'est un peu pareil. Hein. Les deux sont pas mal. Hein. Spider-Man, Hulk, Avenger, Daredevil, Batman et bien d'autres. Eh ben oui. Ouais, DC Comics, sur l'univers DC Comics et Marvel, c'est un peu lié maintenant. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux, là, ils apparaissent, vous cliquez dessus, vous avez tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez, si vous avez Discord, vous pouvez rejoindre le Discord de la chaîne, vous pouvez rejoindre mon Twitter, mon TikTok, enfin non, je crois que j'ai mis Insta et TikTok. N'hésitez pas à les rejoindre, les amis, à checker. Hein. Ouais, aux États-Unis, c'est Marvel, exactement. Exactement ça. Dean a parfaitement raison, donc hein, on la contrarie pas. Ah voilà. Ouais, ça coûtait pas mal. C'est pas ma boutique. D'accord, pourquoi elle ne marche plus? Ça normalement, mais bon, bah, copier ce lien là, même si c'est pas la boutique officielle de la chaîne, plus ou moins. Alors, je vais le télécharger, non, j'ai oublié de le télécharger évidemment. La petite miniature, vite fait, hop là. Sinon, comment tout le monde va bien? Ça raconte quoi sur le chat un petit peu? Comment de vos vies ça se passe? Ça se passe bien, j'espère. Enfin, j'espère déjà que vous alliez bien et que tout va bien pour vous. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, c'est pareil, allez hop. Allez, j'ai fini et on est à vous, 18 minutes de retard, désolé. On va attaquer le jeu immédiatement, juste après ça. Voilà, hop, clac, boum, U. Voilà, hop, ça c'est fait. Et c'est des choses que je peux pas faire tant que j'ai pas lancé de live, donc du coup, comment dire que je suis obligé, hop, de lancer à la dernière minute. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la boutique officielle de la chaîne également. Hein. Je vous ai mis le lien, mais bon, après, s'il fonctionne pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il fonctionne pas d'ailleurs. Mais... pas grave, t'inquiète, vas-y, il n'y a pas. Bienvenue. Je suis pas contrarié.
Dragon Brasier, il y a pas le feu. De quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Et merci Madame Brasier, mettez un GG pour Madame Brasier, membre depuis 19 mois de la chaîne, les amis, n'hésitez pas, hein, aussi, la petite souscription, ça fait vraiment plaisir et ça aide vraiment la chaîne, hein, vous pouvez. Hein. Franchement, moins d'un euro par mois, les gars. Ah, c'est pas évident à live. Ah, d'accord, ok, j'ai pas compris ce que tu me disais. Allez, 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 l'ordinateur, il m'a pagayé un petit peu. Il pagaye un petit peu. Ok, let's go. Tout était bon, a priori. Batman. Ça aurait été trop simple, Batman. Non, qu'est-ce qu'on pense, Mr. Shadow? Et coucou les jouets du petit Nicolas, comment vas-tu? Alors là c'est bon, c'est enregistré ou oui? On est ok. Je pense qu'on est ok. Et coucou monsieur Z, comment vas-tu? Le latex me va à ravir. Bienvenue à tous sur ce petit let's play les gars, j'espère que Batman va vous faire plaisir. J'avais annoncé sur la chaîne, hein, il est là, hein, ça y est, il est là. Hein. Je pense que tout est bon, hein. Il n'a pas l'air de. Voilà, ok. Il a le petit Batman. Et ce soir, je disais donc qu'il y a la commande secrète à trouver pour 1500 Brasinou. Ce qui vous mettrait en bonne position pour les petits cadeaux de fin de mois, vous le savez, hein. À la fin du mois, il y a les petits cadeaux. Et donc, au fur et à mesure de la partie, de l'aventure, je vous donnerai les indices pour tenter de trouver la commande secrète. Donc, n'hésitez pas à rester. C'est parti. On est parti pour Batman Arkham Knight. Bon ben, en même temps j'ai pas trop le choix. Hein. Ouh, attendez, attendez, je viens de voir. Ah là, je viens de voir. Eh, bonsoir Madia, Mada, comment vas-tu? Je viens de voir un truc là. On peut faire retour, je viens de voir la difficulté. Et je pense que. Mode histoire, ouais, ok. On va faire le mode histoire. Littéralement le Joker, c'est moi qui pouvais le faire. Ouais, Gamer Z, et malheureusement, le poisson nous a quittés. Non, c'était pas le bon. Allez, c'est parti, les amis, pour Batman. Ouais, pauvre Joker, ouais, j'ai cramé. Hein. Voilà, vous avez le lien de la boutique officielle de la chaîne si jamais. En ce moment, il y a des super soldes. J'ai pas ce GPS.
Graphiquement, il a l'air quand même pas mal le jeu, hein, je trouve. Merci. Avec plaisir. Ah, merci mon chou. Bien, à quoi? Comme d'hab? Ouais. Donc une salade au poulet sans vinaigrette. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien à ma femme. Comme vous voudrez, monsieur l'agent. Oh, et faites-moi signe si vous voulez du café. Et voici, gaufre avec supplément de bacon. Croyez que Batman était un dur. Excusez-moi d'interrompre votre repas, agent Owens, mais il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. Deux secondes, je vais le voir. Moi, c'est un café non-fumeur, c'est ça? C'est déplacé. Il est où le gars qui fume? Homme de vrai, Cyril, Christine Abbey. Il y en a un qui a reçu 75 000 $ de dommages. Non, mais c'était bizarre, c'est tout. Elle faisait ça avec tout le monde. Annulé. Le grand combat de retour d'un parking, pas de remboursement. Il est où le gars qui fume? Oui, ok, t'inquiète pas, madame Brasi. Il est où le gars qui fume? Reste là, si sans rien faire, à regarder la fenêtre! Et si j'avais fait une crise cardiaque? Je voulais vous demander, c'est quoi votre signe, Timo? La lampe, j'ai vu ses yeux si lumineux. Il est où le gars qui fume? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, il y a un gars qui fume, mais bon, on ne voit pas où il y a le gars qui fume. Vous avez contrôlé ce type? Il est là, au fond. Ben, il est là, au fond. Se mettre à être crétin, il ne va pas le faire. Hein. Il n'est pas en train de souffler. Ah, il est là, d'accord. Excusez-moi, monsieur. C'est non-fumeur, ici. Ah ouais, d'accord, ouais. J'ai sursauté quand même. Hein? Ben il est déjà là, hein. Il est déjà là. Hein. Chaud, hein. Ah, bah, c'est une bonne question. Hein. Donc, ce qui enchaînera le deuxième indice, Gotham City. Donc, le jeu est Gotham City. 300 000 habitants. Aujourd'hui, beaucoup moins. Bah, tu m'étonnes. Il n'a pas envie de se gazer. Hein. Ah, et puis alors, les flics, ils sont flingués. Et ceux qui restent. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham. Les crapules. Les criminels.
Et pire encore. Il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. Oh bah tu m'étonnes. Il se met le chaos avec son truc et tout le monde a déserté la ville et respecte les racailles. C'est pas étonnant. Ah, je trouve que visuellement il est vraiment pas mal. Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Un jour seulement. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Ouais, Batman. Ouais, en plus, c'était gratuit le jeu. Gordon sur le toit. Vas-y, là. Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre, la nuit va être longue. Ah oui. Hé, hey, Batman! C'est toujours la même chose. Oracle, je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père? Il tient le coup. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudents. Ça risque d'être délicat. Voilà qui est mieux. Gotham s'était endormi après la mort du Joker. Salut! Il ne fait que passer sur ton live, merci Pomos quand même! Tirez-vous de là!
ce que je leur ai mis. Je crois qu'ils voient des petites chauves-souris. Vous ne risquez plus rien. Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient tuer. Ah oui, ça s'appelle un réflexe. La ville est envahie. On n'a aucune chance. Restez ici. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites ? J'équilibre le jeu. Putain, Colin, c'est pas trop mon truc. Où est-ce qu'ils ont pu mettre la main sur du matériel militaire ? Oui, alors, ça marche pas. Ça, c'est trop intéressant. La patte. Ah, la vache. Ah bah tu m'étonnes. Oracle, j'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Voilà, la Batmobile a de la gueule là. La vache. Rappelez vos hommes, Jim. Golf Oscar 5-6, ici le commissaire Gordon. J'annule la poursuite. C'est trop dangereux. Chef, on y est presque. On peut avoir ces fumiers. Wow! Ils viennent de nous balancer une roquette. Mais qui c'est, ces types? 5-6, repliez-vous tout de suite. C'est un ordre. Laissez Batman s'en occuper. 56 a essuyé un tir de roquette. Ils ont été éliminés. Je vais les arrêter. Ne vous inquiétez pas, Jim. Il est à moi. La cible approche de la bande de Gotham. Merde. Ah, je suis pas pratique avec lui. Batman va les perdre, monsieur. Ils viennent passer par la banque. Ils n'abandonnent pas. Je dois arrêter le véhicule et interroger son conducteur. Interroge le conducteur pour déterminer ce qu'il sait. On dit bien brassier, ouais. J'ai du mal à la voir parce que conduire et faire et tout en même temps, c'est chaud. Hein. Non. Où est l'épouvantail? Va te faire foutre. Pas une rayure, je suis pas sûr. Je n'ai rien à te raconter, Batman. Parle. Je suis pas sûr. Je réduis tous tes os en miettes. Ok, ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi? On a eu chaud, hein. Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire? L'épouvantail a un repère pas loin. Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qu'il nous manquait. Vous avez vu la tête du flic quand il a tourné à l'angle et qu'il nous a aperçus?
C'est ici. Je devrais aller jeter un œil à l'appartement du dernier étage. T'as aucune chance contre moi. Attention, c'est Batman. Santé, j'ai... Voilà qui rend les choses un peu plus intéressantes. Monsieur, Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman. J'ai bien peur de te décevoir. Ah bah ouais. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je vais exploser la cervelle. Charmant. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non ! Non ! Non ! Rien ne vaut une petite intimité naturelle. C'est quand même pas mal, hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé ? Même pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas ? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. J'étais à la réunion. Quelle réunion ? Il y avait tout le monde. Le pingouin, double face, l'homme mystère. Même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter. Et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. Il s'en doutait pas, là. Sérieux. Il n'apprendra donc jamais. Tu viens avec moi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a ?
Je sais quoi ça. Tu m'étonnes. Go, go, go! On tient la cible, elle est coincée. Ne bouge pas. C'est lui, vous êtes sûr? Batman, confirmé. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Je croyais que ce serait dur, il a fallu un seul tank. On a prévu toute une armée. Eh, hey, coucou Noël. Quel gâchis. Et voilà les gars. Choisir la télécommande de la Batmobile. Elle est où la télécommande de la Batmobile? Tout le monde. Gadget, choisir un gadget, il va lâcher. Dans Chinatown. Ils seront là d'un instant à l'autre. Je dois rester à portée de la commande à distance. Je pense que j'avais pas trop compris. J'ai loupé un petit passage. Tu joues moins les gros durs, hein, Batman? Bah, tu m'étonnes. J'ai un peu loupé. Ouais, il faut que je dégomme tout ça, ouais. J'avais pas trop compris, en fait. Les Renero.
Bonjour Nikki, comment vas-tu? Ouais, ça va, et toi? Il faut qu'on parte. Le maître a contesté de l'euphémisme, comme toujours. Ça fait plaisir de te voir sur le live, merci. Oracle, j'ai besoin de savoir d'où viennent ces tanks. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée, ouais, ça va être chaud, frérot. Je dois charger l'arme secondaire jusqu'au niveau 2 avant de tirer. Je dois charger l'arme secondaire jusqu'au niveau 2 avant de tirer. Charger l'arme secondaire jusqu'au niveau 2. Diagnostic terminé. Éteinte 3. Les dégâts reçus font baisser la puissance d'arme. Chargez le barrage de missiles au niveau 2 et détruisez 4 cibles actives pour terminer le diagnostic. Troisième indice. Personnage. Troisième indice, personnage. Donc, premier indice était le deuxième de Gotham City. Et troisième indice, personnage. Je dois charger l'arme secondaire jusqu'au niveau 2 avant de tirer. Le retour de la commande secrète, c'est la plus bonne que je vous donne. Il faut vous trouver la commande secrète. Je voulais, je vais faire à manger. Merci, Zenki. Ça m'a fait plaisir pour ton passage. Merci beaucoup. Donc, vous gagnez jusqu'à 1500 packs. Je vous rappelle qu'à la fin du mois sur Fortnite, je vous donne un petit
cadeau. Vous êtes dans le top 5 du mois, tout simplement. Dans les 5 premiers, ça fonctionne. Vous avez un petit cadeau de ma part sur Fortnite, voilà. Je dois charger l'arme secondaire jusqu'au niveau 2 avant de tirer. Je sais pas comment on la charge là. Panessa Studio. J'ai prévenu le GCPD pour que leurs hommes évacuent. J'y vais immédiatement. À toutes les unités, ici le commissaire Gordon. Plusieurs tanks hostiles ont été déployés à travers la ville. Gotham est attaqué. Je veux que tout le monde quitte les rues et retourne immédiatement au GCPD. On n'est pas équipé pour faire face à tout ça. Heureusement, il y en a un qui est. Les gars, quand vous donnez la réponse pour la commande secrète, ça fonctionne. Pas de petits mètres, des points d'exclamation. Bon, je sais pas ce que vous en pensez du jeu, mais franchement, il est génial. J'adore. Les hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. Tant mieux. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Ça je vais avoir pas. Besoin de la chambre d'isolement du GCPD. J'amène Ivy. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose ? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire ? Oh, c'est pas...
pas moi qui ai appris à conduire Batman. Hein. Ah ouais, quand même. T'es étonné. Bah, si vous trouvez la commande secrète, ça vous place en bonne position pour être dans le top 5 et recevoir un petit cadeau de ma part. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le forum de la chaîne, les amis. Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains ? J'ai que 5 personnes qui sont inscrites dessus et... Ouais. Vous n'êtes pas trop actif sur le forum de la chaîne. C'est la guerre dans les rues. On n'a ni les hommes ni l'équipement. Il y a le planning de la chaîne. Il y a tout ce que vous voulez. En plus, il y a un espace abonné. Donc, je vous invite franchement à aller sur le forum de la chaîne, les amis. L'inscription est gratuite. Et franchement, vous verrez, il y a plein de choses dessus. Donc, je vous invite à voir vraiment le forum. Personne n'y allait sur le forum, mais allez-y. On peut poster des choses, pour mettre tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment bien. Les indices, c'est le jeu. Alors, tu te sens mieux maintenant. Le jeu Gotham City. Et le troisième indice, j'ai dit personnage. Et là, je vais donner le quatrième indice. Les ordures qui ont envahi les rues feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça ne change pas. Vous avez tous eu l'occasion d'évacuer et vous avez tous fait un choix. Vous avez ma parole que chacun d'entre vous sera médaillé. Tu sais que ces murs ne me retiendront pas longtemps. Mais bon, si tu te sens plus en sécurité comme ça, je te l'accorde. Pour le moment. Tu ne peux pas m'enfermer comme une vulgaire humaine. Et autre indice, donc... véhicule. Autre indice, véhicule. Pourquoi perds-tu ton temps à... Là, je le donne presque, la commande. Créature. Elles sont si primitives comparées aux plantes. On a des patrouilles externes à la recherche de l'épouvantail. C'est Harley qui m'a permis de m'évader de cette cellule à Bloodhaven. Pourquoi tu n'essaies pas de l'arrêter ? Soyons réalistes, on n'a pas l'avantage. Tant qu'on ne sait pas exactement ce qui se mijote et qu'on n'a rien de solide concernant l'épouvantail, m'enfermer est un signe de désespoir, Batman. Je le vois dans tes yeux. Tu as peur. Tu sais que ces murs ne me retiendront pas longtemps. Mais bon, si tu te sens plus en sécurité comme ça, je te l'accorde. Pour le moment. On garde ce bâtiment bouclé. Les seuls qui peuvent passer sont nos hommes et Batman. Nous avons des unités qui traquent l'épouvantail à Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg... Et bravo, Madame Brasier a trouvé la commande secrète. DG Madame Brasier, vous gagnez 1520 Brasinou. Sans en pleine crise. Et voilà, c'est fait. Je sentais qu'elle allait tomber vite fait en mettant véhicule, j'étais presque sûr. Notre priorité est de rester ici et de protéger nos hommes. Ok, je répète donc, une dernière Brasier fois pour que la tout soit clair. Secrète. En premier lieu, nous sommes là pour sauver des vies. Vous êtes fait commencer par celle de vos camarades officiers, ici, au commissariat. Bah, il avait une moto à un moment donné, je pensais qu'il avait dans ce... C'est vrai, j'avoue, mais il a une moto, Batman. Dans les films, j'avoue. Mais les seuls qui peuvent passer sont nos hommes et Batman. Nous avons des unités qui traquent l'épouvantail à Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg et Port Arthur. Non, mais ça s'embrase nous, j'ai pas dit 1500. Une demi-douzaine d'hélicos qui quadrillent le ciel. Mais soyons réalistes, nous sommes en pleine crise. Tant qu'on ne saura pas ce qui se trame là-bas et qu'on n'aura rien de plus sur l'épouvantail, notre priorité est de rester ici et de protéger nos hommes. A gagné Missa Sambrasinou, ça y est, la commande est déjà trouvée. Ok, je répète une dernière fois que dans les films, dans les lives, il n'y en a pas. Oui, je sais. Je sais, c'est pour ça, mais je pensais que dans le jeu, il l'avait. J'ai vu un peu la pochette, il me semblait qu'il avait la moto, mais bon, peut-être qu'il a un peu plus tard. Quatre hommes en permanence sur le toit et une patrouille de 6 hommes dans le périmètre. On garde ce bâtiment bouclé. Les seuls qui peuvent passer sont nos hommes et Batman. Nous avons des unités qui traquent l'épouvantail à Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg et Port Adams. Et une demi-douzaine d'hélicos qui quadrillent le ciel. Mais soyons réalistes, nous sommes en pleine crise. Tant qu'on ne saura pas ce qui se trame là-bas, et qu'on n'aura rien de plus sur l'épouvantail, notre priorité est de rester ici. Ben oui, mais je pensais qu'il avait... j'ai vu la jaquette, il me semblait qu'il avait la moto. Peut-être que c'est un peu plus tard, mais... Une dernière fois pour que tout soit clair. Si Diabot Mobile, c'est... Nous sommes là pour sauver des vies. Diabot Mobile, c'est trop simple. Par celle de vos camarades officiers, ici, au commissariat.
Je veux au moins 4 hommes en permanence sur le toit et une patrouille de 6 hommes dans le périmètre. On garde ce bâtiment bouclé. Les seuls qui peuvent passer sont nos hommes et Batman. Nous avons des unités qui traquent l'épouvantail à Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg... Oui, je voulais la faire un peu simple, mais bon... Et une demi-douzaine d'hélicos qui quadrillent le ciel. Mais soyons réalistes, nous sommes en pleine crise. Et au final, tant qu'on ne je saura pensais pas qu'il avait, là-bas, pour de bon. Et qu'on n'aura rien de plus sur l'épouvantail... Donc évidemment, Madame Brasier prend la tête du classement, et de protéger nos sans souci, hein, du coup... Je suis sûr que sur la jaquette okay, de... Enfin, je répète une dernière fois même Manuel Taïel, il avait une moto, en donc premier lieu, je pensais que... Nous sommes là pour sauver des vies. À ouais, commencer je sais, par celle de vos camarades ça officiers, la Batmoto. Ici, ouais, je pense, mais j'en suis pas que sûr, madame. Il avait une moto, donc je pensais... Toit et une patrouille de six je pensais vraiment qu'il allait avoir la moto, là. On garde ce bâtiment bouclé. Je pensais pas qu'il allait avoir les que la voiture. Après cette histoire de protocole 10, ça m'étonnerait pas que le conducteur nous traîne en justice et gagne. Non, Rudy. Rachel ? La moto s'appelle la Batpod. Non, Rudy. Pas la Batmoto. La Batpod, oui, pardon, la Batpod. Mais ce il type était censé l'avoir. Une minute depuis qu'on l'a ici. Dommage qu'il ne lui ait pas cassé les dents. J'en reviens pas à la vitesse à laquelle c'est arrivé. C'était une journée tout ce qu'il y a de plus normal, et maintenant... ça. Est-ce que tu m'entends ? Merde ! Quelqu'un sait ce qui se passe ici ? Il veut quoi, l'épouvantail ? De l'argent ? Je lui souhaite bonne chance. Avec le protocole 10... J'ai bien une solution, mais vous ne voulez pas l'entendre. Allez au diable ! Foutu bureaucrate. On est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles ? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. C'est pas bon, voyons voir. Bah, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais c'est censé l'avoir hein, dans le jeu, c'est pour ça que j'ai mis. De la station 17. Ça, j'aurais pas mis. Hein. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps. J'ai Mme Brasier qui prend la tête, mais large, hein, les gars. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Merci, Ondine. C'est comme la Batmobile. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. C'est comme j'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. C'est par son je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Je vais les rejoindre dès que j'ai fini ici. Bah, GG, on va trouver cette pourriture. Tu prends la tête. Fernandez, c'est Gordon. Quelle est votre situation ? Ok, section de mission utilisée, grande section, prochaine cible dans Gotham City, chaque nouveau super vilain, nouvelle mission, épouvantable, c'est cliqué sur la zone en haut de l'écran. Ok, alors bah, qu'est-ce qu'il y a ? Je m'occuperai de ça plus tard. L'épouvantail est la priorité. Bonne chance là-bas, Batman. Vous aurez fini de fouiller les quais, je veux que vous contactiez Michaels et que vous reveniez le long de l'histoire. Juste au moment où vous pensez que la ville se remet sur pied, voilà ce qui arrive. Je répète une dernière fois pour que tout soit clair. En premier lieu, nous sommes là pour sauver les vies. Pourquoi perds-tu ton temps à aider ces pathétiques créatures ? Elles sont si primitives comparées aux plantes. C'est pas les films, mais c'est au hasard. Le temps presse. Non, dans les films, il y a la moto, hein, je te signale. Dans Batman Dark Knight, il a la moto. C'est hein. Pas le moment de jouer les héros. Et même dans les autres, il me semble. Hein. Là aussi, dans le jeu, normalement, il était censé avoir la moto, j'ai pas compris. Et j'ai pas compris où il y a la moto d'ailleurs. Dans le film, il a la moto, oui. Mais là, dans le jeu, il était censé avoir la moto aussi. C'est bien ça, je comprends pas. Hein. Ben là, si, dans celui-là, il est marqué qu'il y avait la moto, je sais pas. J'ai pas compris, c'est pour ça que j'ai mis la moto, mais bon. Bon, ben, par où je sors, là ? Moi, je veux bien faire ma team, mais... Comment on sort d'ici ?
pour sauver des vies. À commencer par celle de vos camarades officiers. Non, je confonds pas avec Robin. Non, il y avait marqué qu'il y avait la Batmoto, je sais pas moi. Où on met l'escouade de Rafferty? Pourquoi je rentre? On n'a pas assez d'hommes pour faire face à tout ça. Je sais pas par où commencer. C'est de la folie. Bon, bah, je sais pas ce que je veux sortir d'ici en fait. On vient d'avoir pour sortir maintenant. On n'aura rien de plus sur l'épouvantail. Notre priorité est de rester ici et de protéger nos hommes. L'ascenseur est bloqué, Batman. On ne peut entrer ou sortir que par le parking. Nous sommes là pour sauver les vies. Oui, bah alors... N'essayez pas de vous approcher des émeutiers, vous m'entendez? Vous allez vous faire tuer. Pas celui-là, en tous les cas. Bah, je sais pas, j'avais vu une espèce de jaquette, je le vois avec une moto, donc peut-être pas, alors j'ai dû me tromper. Désolé si je me suis trompé, mais bon, mais je pensais qu'il allait avoir la moto. La Batpod. Bah apparemment, non, donc désolé. Hein. Non, il n'y a pas de moto celui-là. Bah oui, mais je comprends pas pourquoi ils avaient marqué moto. Je l'avais jamais vu d'aussi près. Mais puis Batman, c'est moi. T'as l'avion dedans. Ah là, c'est l'avion, mais pourquoi ils ont marqué qu'il y avait la... Dieu sait comment il s'en est sorti sans tirer sur personne. Les clients du resto se sont entre-déchirés. C'est moi? Ou la toxine continue de faire effet? Hé, hey, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Tu m'as cassé le poignet pour rien! Il a des projets pour toi, non, Batman! Les points, c'est pas... Non, bah non! Bah t'as trouvé la commande secrète, tout sans qu'il arrive, hein. Même si c'était pas dans celui-là, mais j'étais persuadé que c'était marqué la moto. Non, bah, tu as gagné. Hein. Ce truc est passé au niveau supérieur. Après le soutien aérien, il s'est changé en tank. Cool. N'approchez pas trop. Il est là, on se replie. Bonsoir, monsieur Wayne. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius. C'est très noble à vous d'être resté. Vous voulez me remercier, monsieur Wayne? Essayez de ne pas faire de sang. J'aurai bientôt de belles améliorations. Rentre à la base. Il nous poursuit. Assez, bouge.
se venger pour le tribunal. Batman va en baver. Le voilà, écrase-le. Non. Oh, ça fait mal, ça. Attention, c'est Batman. Oh non, go, go. Mister Shadow, à plus. En tout cas, est-ce que vous aimez bien le jeu, parce que franchement il est fantastique. Moi j'adore, il est bien fait, il y a tout ce qu'il faut. Ça, je comprends pas où faut que j'aille. J'ai vu des gars du Pingouin et d'Harvey bosser ensemble. Si ça, c'est pas un signe qui annonce l'apocalypse. Moyen d'analyse à la rétine, ok. Identité confirmée. Ah, t'as pas de câble ?
Ah ouais, c'est la classe, hein, c'est top classe. C'est la classe. Est-ce que je vais dans votre bas de cave farfouiller dans vos affaires? Vous avez réussi à réduire le composé à ses éléments de base. Mais il ne contient rien qu'on puisse traquer. Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens. Si au lieu de chercher la toxine, on se tournait vers son processus de fabrication. J'aurais dû y penser. La réaction génère un pic de radiation unique. Scannez la ville et trouvez cette empreinte énergétique. Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine. Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites. On n'a pas le temps. Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma. Bruce, j'ai eu mon père. Je déteste lui mentir. Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville. Il s'en veut encore pour ça. On arrêtera l'épouvantail. Jim, on a un moyen de localiser l'endroit où travaille Crane. Dieu merci. Qu'est-ce que je peux faire? Préparez vos hommes. Je vous ferai signe dès qu'on en saura plus. Parfait. Des soulèvements de prisonniers. J'en ai vu deux, trois. Mais ça, c'est carrément autre chose. On se pousse bleu, les gars, vous êtes au top. Merci à tous d'être là et d'être présents. Le générateur est endommagé. Je dois le contourner et alimenter directement l'antenne. Rebonjour, Monsieur Wayne. Que puis-je faire pour vous cette fois? Le treuil électrique est prêt au déploiement? Il est opérationnel à 100%. Sauf si vous avez l'intention de hisser votre voiture jusqu'au sommet d'un immeuble. Vous êtes télépathe. La télépathie fait partie de mon travail, Monsieur Wayne. La Batwing est en route.
J'improviserai. Le treuil a besoin d'un point d'ancrage solide pour fonctionner. Une fois attaché, il suffit de faire marche arrière. Et, s'il vous plaît, soyez prudent avec la voiture, Monsieur Wayne. Elle est unique. Tu m'étonnes. À côté de Brassé quand il conduit la Batmobile. Tu as parfaitement raison. Pas doué voiture. Hein. Alors alimenter l'antenne du studio. Pas de ça avec le toit électrique de la Batmobile. Oui. Mais comment je fais ça? Le treuil pourrait peut-être me fournir un moyen de progresser depuis ce toit. Oui, ben je viens, mais d'où le treuil ?
À votre demande, j'ai créé une série de simulations de diagnostic pour tester les différentes fonctions de la tenue et de la Batmobile. Il suffit de sélectionner le programme approprié et le Bat-ordinateur fournira un marqueur de navigation. Live. Ah, j'espère que ça vous plaît les gars, moi ça me plaît. Oh, il est prêt, Des alliés ne débarqueront pas cette nuit, Batman. Je vous réduirai tous à néant. C'est le mode combat, là, pas une minute, c'est une zone de droite, ok, ouais. Là, je suis passé sur le... Ah, c'était là. C'est quoi, ça ? Merci maman. Utilisez le mode Batmobile pour déplacer la zone. Le midi ou le trail. On manque le trail. Les cauchemars de pauvreté, ils font aussi dans les rues de Gotham City, voilà. Oui, ma poubelle. Et oui, il y a le la Fortnite aussi, il y a le... Je cherche le treuil, il est où le treuil, mais sérieux. Bon, déjà, c'est pas la vie. Le treuil pourrait peut-être me fournir un moyen de progresser depuis ce toit. Oui, mais si tu me disais où était le treuil, j'aimerais bien, frérot. J'aimerais bien. Il faut utiliser les deux. Je cherche mon treuil en fait, il n'y a pas de problème, il y a mon treuil. Personnel là, et je vais le tabasser à mort.
après. Et après, je fais quoi? Plus Noël. Je pense que je vais franchir. Mais je sais pas comment aller de l'autre côté. Il est où le treuil? Ça, je comprends pas. Je comprends pas où est le treuil en fait. Le treuil pourrait peut-être me fournir un moyen de progresser depuis ce toit. Oui, mais il est où ton treuil? Je veux bien. Si tu me dis comment l'activer. Je sais pas comment l'activer. Je sais pas comment on active le treuil, c'est un truc de fou. Je sais pas comment activer le trail. Augmenter l'antenne de studio. Battre avec le trail électrique de la Batmobile. Oui, mais comment j'active mon trail électrique? Je veux bien, moi. D'accord, mais comment j'active le treuil? Comment j'active le treuil électrique? Comment on a besoin de dépasser la zone 3? Alimenter l'antenne de studio à panner ça avec le treuil électrique. Oui, mais il est où le treuil électrique? C'est ça, je sais pas. Hein. Le mode combat, ok.
vois. Comment je fais? Je veux bien alimenter, mais bon. Alors là, j'ai rien à faire. Je vais tenir près d'une route pour regarder une route pour appeler la bande mobile. Là-bas la voiture. Je ne sais pas où est le truc. Où est ce train électrique? Où est le treuil, c'est pas normal. J'ai pas le treuil, je sais pas comment faire. Ça m'agace. Utiliser le mode combat de la Batmobile pour déplacer notre zone étroite. Ça, on s'en fout. Alimenter l'antenne, panel ça. Ben oui, mais comment? Il est où le treuil? Apparemment, je dois être ici pour alimenter le treuil. Le treuil pourrait peut-être me fournir un moyen de progresser depuis ce toit. Oui, mais il est où le treuil? Regarde moi, il est où ton treuil? Sors-le ton treuil. On en parler. Je trouve pas le treuil en fait. Hein. Le treuil, je comprends pas. Pas le treuil pour le planter là-bas, je pense. Mais il est où ton treuil, frérot? J'abuse. Salut Batnat 2.0, bienvenue à toi. On a Batman sur le chat les amis. Bon, mais comment utilise le treuil là? Je ne dis pas comment utilise le treuil.
bien que ce soit là, merci. Hein. J'ai besoin de faire exposer un boom toxique. Utiliser un thème de studio Panasonic pour augmenter un thème de studio avec le train électrique de la Batmobile. Alors, mais il est où? Il est où? Il est où? Le treuil. Chine de cœur, ok. Il faut que je fasse un défi, maître du combo. Et pas où est le treuil? Ça, je cherche à voir où est le treuil. De la voiture. C'est pas normal que j'ai pas autre chose. C'est pas normal que je trouve pas la voiture. Enfin, comment lancer le truc du coup? Oui, mais comment j'utilise le treuil de la Batmobile? Il ne me dit pas. Mais oui, le treuil. Je comprends pas, ça m'énerve quand je comprends pas. Mais où est ce bon sang de treuil? Je sais pas ce que j'ai vu. Mais oui, le treuil. Mais mince, t'es pas toi.
Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi il marche pas ce trail ? Je pense qu'il est derrière le trail. Je comprends rien. Le treuil pourrait peut-être me fournir un moyen de progresser depuis ce toit. Oui, mais il est où ton punaise de treuil là ? Là, ça commence à me saouler là. Je trouve pas le treuil. Hein. Il est où ton treuil ? Dans les fesses ou dans les tiennes ? Sérieux, hein ? C'est le trait qui me manque. Je trouve pas le trait. Hein. De toute façon, ça va être la fin, les amis. Ouais, faut que je prenne l'amélioration. Je sais pas du tout. Peut-être le faire offline hein, pour trouver la solution parce que là je trouve pas le treuil. Hein. Enfin, j'aurais pas trouvé le moyen de déployer le treuil. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et je sais pas où il est le treuil. Merde, comment ça actionne le truc? Non, c'est pas comme ça. C'est comment alors? Si tu connais Batnat, aide-moi parce que là, je suis coincé depuis 10 minutes. Je sais pas comment il dit. Ah, ben voilà, R1 le treuil. Ben voilà. Maintenant, que je fasse quoi maintenant? On m'a fait souffler ça et après. Que je fasse quoi, Batnat? Déjà, c'était juste pour soulever ça. Tu vas dessus et tu utilises ton turbo. D'accord. Là, je m'éloigne du point, non? C'est pas où que j'aille. J'allais par là.
fasse tout le tour, d'accord. Ouais. Il faut que je saute sur le trimap d'ici. Ah merde, non, non, j'étais pas assez. Merde, okay. J'avais plus qu'à passer là. Ok, ok. Oh. Ah merde, je crois que je plante là. Ah là 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 là. Mince. Voilà, j'ai mis tant de temps à faire ce punaise de saut, maintenant on recommence. Là je recommence le saut. D'accord. Ensuite, il faut que j'aille là. Ça, je me suis éloigné du point. À moins que j'ai pas sauté assez loin. Faut que je fasse quoi, Batnat, là ? C'est sûr qu'il faut que j'aille de l'autre côté parce qu'il me semble que je pouvais atterrir sur le toit là-bas. Je pense que sautant, j'aurais pu être là-bas. J'ai vu utiliser son treuil. Tu vas où tu... J'ai pas compris, tu vas où j'ai laissé le treuil? Tu m'as dit de sauter sur l'autre toit, c'est pour ça je pensais que c'était bon. C'est sûr qu'il faut pas que j'aille de l'autre côté maintenant, là, comme ça. J'ai une gare verrouillée, ok. Parce que là, il y a moyen, en vrai, en faisant un beau petit saut. D'arriver là, hein. La gueule, hein. D'arriver ici et de sauter là-bas, non? Y a pas moyen. Ton peut-être endroit, Batnat, hein. Je pense que si tu as fini le jeu, tu dois savoir. Il faut que je retourne là où. Ben, j'ai pas compris, hein. Il est où le trail du coup? Faut pas que j'aille en face. Pas sauter sur le toit. Ah, donc là je suis au mauvais endroit, c'est ça tu veux dire? Je retourne là bas d'accord, ok. Ouais, plus je passe, plus je casse tout en plus. Tu m'as dit de sauter, c'est pour ça que je me pose la question. Ah, ok, alors là. Ah bah ben, je retombe en bas hein, maintenant. Bon bah ben, écoutez, on verra ça la prochaine fois les amis. Là pour ce soir je m'arrête là les amis. Donc merci pour vos 11 pouces bleus, merci pour votre passage à tous, merci vraiment hein. Vous êtes les boss hein, franchement je dis tout le temps hein. Je vous remercie encore pour les 2929 abonnés les amis. Il n'y en a plus qu'un pour être 30, mais bon. Est-ce qu'on les fera peut-être demain ou après-demain, on verra, c'est pas trop grave. Il manquait juste un. Donc merci à tous, passez une bonne soirée, portez-vous bien. Et nous on se dit à demain donc pour notre let's play de Spider-Man 2. Donc voilà, on va continuer le petit let's play. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si, sur Batman, s'il vous plaît vraiment et tout, hein, les gars. Parce que voilà, je crois qu'on va continuer les aventures de Batman.
Et sur ce, je vous laisse et je vous remercie, Batnat, de m'avoir un peu aidé. Donc voilà. Et reviens la prochaine fois. Hein. Je pense peut-être lundi prochain, je referai encore du Batman, les amis. Et sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Et à demain. Bye bye, 18h. Hein, pareil, au même endroit. Sur la chaîne, à 18h, pour notre Let's Play de Spider-Man 2. Et sur ce, passez une bonne soirée. Bye bye. Et merci à toi, Batnat. Merci à toi. Reviens la semaine prochaine, hein, comme ça tu pourras toujours m'aider. Et sur ce, bye bye. Ciao, ciao, les amis.